Ce qu'on remarque, donc, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de solution pour débloquer la situation. Et qu'à l'inverse, on voit qu'avec ce qui a été dit, en particulier par l'UICE, sur le focus ex-Cognac, on voit qu'avec cette ouverture de ligne, alors on va le redire, au service voyageur. Hein. C'est une ligne qui est fonctionnelle. Il suffit de mettre des trains dessus, de mettre un quai là où on voudra faire arrêter des trains. Ça va coûter, allez, 100 millions, peut-être 150. On ne va pas chercher des milliards. Hein. On est dans des millions, dizaines, on va dire dizaines de millions d'euros. Hein. Donc, quand on voit les dépenses qui sont faites sur d'autres affaires, on peut se dire que c'est quand même à portée de main, même si la situation financière est difficile pour tout le monde. Donc, à partir de là, on déclenche, et avec ce qui est intéressant quand même dans l'exposé, et qui est vérifié quand on regarde, alors je le dis gentiment en passant, nous avons les études qui ont été menées durant le contrat de plan précédent, on les a demandées au mois de janvier, hein, quand on a attaqué notre affaire, on les a eues le 22 juillet 2022, en passant par M. Mirement, préfet de région. C'est-à-dire qu'il faut déranger un préfet pour avoir des éléments qui sont payés quand même sur nos données publiques. Hein. C'est nous qui payons les études, hein. C'est personne d'autre. Hein. Et quand on nous dit, ah, mais je ne peux pas vous les donner parce que c'est les financeurs, collectivités, etc., peut-être qu'ils ne vont pas vouloir, il y a quand même un sujet là, hein, en termes de fonctionnement démocratique dans notre pays. Parce qu'on aurait pu probablement aller plus vite dans notre travail si on avait vu ces éléments. Et je ne parle pas de l'étude qui est menée par la métropole sur l'armature ferroviaire sur la métropole, donc Aix-Marseille-Provence. C'est encore autre chose qui a aussi été financée par le contrat de plan, par l'argent public. Donc voilà, une fois que j'ai passé un petit peu mon mauvais caractère, donc les bénéfices de la réouverture, on les a dit, hein, le lien quand même, il est évident. L'ouest des Bouches-du-Rhône pour aller vers Aix pour les étudiants, c'est une demande qui est historique, on peut dire. Et puis, le tourisme dans les Alpes du Sud. Quand on nous dit qu'il faut arrêter de prendre l'avion pour aller passer ses vacances à droite à gauche au bout du monde, on a quand même une ressource touristique dans la région, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, où il faut y aller sommeil ou pas en voiture, on est mort. Hein. On ne peut pas... On peut, si on a le temps et si on est obligé, mais si on veut vivre un petit peu comme tout le monde, ce sont des territoires qui sont quasiment inaccessibles. Alors qu'on a l'outil qui servirait très facilement, pas très facilement, en tout cas, qui est à portée de main. Nous, on insiste beaucoup sur cette notion de portée de main. Ce n'est pas des choses qui sont à perte de vue. Donc, inscrire un report modal à faible coût et à délai court dans la lutte contre le réchauffement climatique et la priorité énergétique, c'est-à-dire, là aussi, on s'en rajoute une couche à chaque moment, c'est-à-dire que on était parti, quand on a parlé de report modal de la route vers le ferroviaire, pour les déplacements de personnes, on a mis en avant le réchauffement climatique, le CO2. Moi, je fais partie des gens, ça fait 40 ans qu'ils racontent la même histoire. On passait pour des farfelus ou de doux rêveurs. Après, quand on a commencé à avoir du crédit quand il y a eu des problématiques de CO2. Et maintenant, non seulement on a le CO2, mais on a le coût de l'énergie. Jusqu'à où il faut aller pour que, dans la tête de nos décideurs, on passe à une étape opérationnelle. Et donc, à travers un report modal à faible coût, on désengorge l'axe routier des Mélo-Pitre. Alors, on peut dire, oui, mais ce n'est pas important. Mais tout ce qu'on peut gagner aujourd'hui, il faut l'engranger. Il faut prendre partout où c'est possible, gagner sur la voiture, récupérer de la voiture. Arrêter de donner 30 centimes, là encore, pour finalement le poteau routier du tunnel. Et donc, la boucle ferroviaire, effectivement, le jour où on la boucle, on réduit la rupture de charge à Rognac et on relie de manière opérationnelle des zones économiques comme nous les a décrites l'UICE. Donc, nous, ce qu'on dit maintenant, c'est en gros, c'est jouer en carte sur table. Un des éléments importants de la proposition, c'est de dire est-ce qu'on.
il est vraiment, est-ce qu'il est possible de, ensemble, de faire en sorte que finalement les besoins, les attentes des différentes parties prenantes, et en particulier pour ce qui nous concerne, nous les associations, mais on n'est pas les seuls, et la journée elle le prouve, puisque on a des acteurs économiques qui en gros viennent nous dire, bah oui, ce que vous dites, on le valide et on est dans les mêmes attentes. Donc, comment est-ce qu'on peut construire une démarche exigeante vis-à-vis des institutions, mais aussi qui se fasse de manière apaisée, hein, que je le dis là encore tranquillement, mais les associations sont vues comme des gêneurs. Non, on n'est pas là pour des gêneurs. Quand on mène des études, des actions, c'est pour avoir des résultats. C'est pas pour embêter monsieur le ministre, monsieur le président de région ou madame la présidente. C'est pas pour ça. Nous, ce qu'on veut, c'est laisser la bagnole au garage. C'est tout. Après, quelles que soient les couleurs politiques des uns et des autres, à la limite, c'est pas notre problème. Nous, ce qu'on veut, ce sont des résultats. Et on l'a vu tout au long de la présentation d'études, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas et on nous renvoie dans nos 40 mètres en disant « Vous êtes gentil, mais vous ne savez pas trop de quoi vous parlez. Et donc, allez jouer, on va vous acheter un sac de billes. À regarder, il y a la cour pour la maternelle, vous êtes bien dedans. » Donc ça, il faut que ça change. Et nous pensons que ça pourra changer si on est en capacité d'établir une convergence. Les besoins de la base, les besoins des acteurs économiques et la compréhension des acteurs, des décideurs, hein, parce que nous, on ne prétend pas voter à la place des gens qui ont des mandats politiques. On veut remplacer personne. Par contre, ce qu'on demande, c'est qu'on soit écouté et que si ce qu'on propose n'est pas recevable, et qu'on nous explique. On nous explique que ce n'est pas possible, on n'a pas les moyens, etc. C'est jouable. Donc, voilà, pour ne pas trop s'attarder, ce qu'on pourrait poser comme le questionnement collectif, on l'a vu à travers, et si on avait le temps, on pourrait aller beaucoup plus loin. Je crois qu'il y a une vingtaine de sites en France sur lesquels est posée la question du rapport SNCF Réseau 2020, c'est-à-dire SNCF Réseau nous dit, ben voilà, il y a des opportunités, il y a des choses qui peuvent bouger sur le territoire français. Peut-être que M. Jacquinot nous dira mieux dans le détail, mais moi j'ai à peu près vu une vingtaine de sites sur lesquels il y avait des réflexions. Il y a des choses qui bougent de manière quand on voit ça de notre territoire, quand on voit ce qui se passe ailleurs, on est quand même, c'est impressionnant, quoi. Et pourquoi est-ce qu'ici, ce rapport SNCF Réseau n'a pas été, par exemple, introduit dans le contrat de plan d'avenir, contrat d'avenir, puisque c'est le nouveau nom du contrat de plan, pourquoi est-ce que ça n'y est pas dedans? On ne comprend pas, nous. Alors, qu'on nous explique pourquoi. Ou alors, on va nous dire, mais les études, elles ont déjà été faites et on vous les met à disposition. Là, ça pourra peut-être avancer mieux. Parce que je ressors encore les archives. Alors cette fois-ci, donc tout à l'heure on était en 2000, on aurait pu remonter un petit peu avant, hein, parce qu'il y a une étude, il y a une demande qui a été faite par la Chambre de commerce et d'industrie. Alors je crois que c'était pas Bouches-du-Rhône, parce qu'il y avait la CESIDA, donc Provence, je ne m'en rappelle plus du nom exact, dans les années 70, qui demandait à ce que la boucle ferroviaire, qu'on a appelé ring, hein, parce qu'on est moderne, donc boucle ferroviaire, ça fait un peu ringard, donc on va dire le ring, soit rétabli la Chambre de commerce et d'industrie territoriale. Hein, voilà. Et je vous ai rappelé les propos du préfet en 2000, on va y arriver, la SNCF a tout dans les cartons, il suffit de sortir les outils et on va passer à l'opérationnel. Le livre blanc des transports métropolitains, c'est un travail qui a été fait par la structure de préfiguration à l'État quand il y a eu, pour aller plus loin, les années 2000 vers la création de la métropole, la mise en place d'une métropole. L'État a envoyé un corps de fonctionnaires qui a mis en place un certain nombre d'animations territoriales dans lequel ce qui est venu en premier lieu, c'est la mobilité, la mobilité, la mobilité. C'est revenu sans arrêt
dans les groupes de travail de cette structure de préfiguration. Et quand le livre blanc, donc en 2014, est paru, bien voilà ce qu'il y avait en photo de couverture, mobilité, attention, danger. Et on continue, on est en 2022, on ne sait pas jusque quand, on continue comme si les choses pouvaient continuer de la sorte. Il me semble qu'on n'est pas très raisonnable hein, dans la région et dans la métropole, nous ne sommes pas raisonnables de continuer dans cet axe-là. Voilà, j'ai fini pour... on peut peut-être prendre un petit temps, là, si on n'est pas trop pressé par le bouquet de mettre du temps. Non, non, on tient absolument le temps pour l'instant. Donc, avant de passer au témoignage, puisque on a demandé à un certain nombre d'acteurs locaux, un petit peu moins locaux, de réagir sur le contenu du rapport de Sopaka. Donc là, on peut avoir un petit peu de temps pour avoir... quelques questions ou quelques réflexions sur ce qui vient d'être exposé. Chacun des gens qui veulent intervenir, vous présentez, voilà, l'association peut se présenter ou des choses comme ça pour qu'on situe bien les gens. Je vais être très court. Donc, je m'appelle Jean-Luc Duchâteau, donc je suis le représentant de Versnot aujourd'hui et aussi de l'association Train-Train du Pays d'Aix qui a construit un petit peu aussi depuis, je dirais, 2 ans ce projet. En liaison d'ailleurs avec le Sopaka et les associations locales. Donc, curieusement, c'est les associations qui se rassemblent en bureau d'études pour essayer de proposer une solution. On est dans une situation anormale. Alors, on est dans une situation normale, je vais être très rapide, sur les Bouches-du-Rhône. Il y a un problème, parce que tu disais comment ça se fait que depuis 2014, il y a vraiment, même si ce n'est pas un problème facile pour aucune région, mais on est vraiment dans les Bouches-du-Rhône. Une situation spécifique pour Marseille. Il y a 15 km de tramway alors qu'à Lyon, il y a 100 km de tramway. Ce n'est pas des petits détails, c'est des déficits qui se sont accumulés pendant des années. Et alors, je ne parle pas du RER, parce que le RER qui est imposé par la loi LOM, hein, c'est un article, l'article 189 de la loi LOM qui dit dans les grandes métropoles, il faut développer un RER. Et quand on regarde le PDU de la métropole, il n'y a rien sur le développement du RER. Et pour la région, c'est la région. Il n'y a rien non plus dans le contrat d'avenir sur le développement du RER. Alors, que faut-il faire pour ça? Alors, la réponse, c'est déjà, au niveau de Marseille, il y a le Marseille Grand, c'est-à-dire que l'État est interdit. L'État a dit, je mets 1 milliard d'euros sur la table, parce que on ne peut pas rester dans cette situation pour Marseille. Bon. Donc, il y a l'intervention de l'État, et à ce moment-là, moi, je pense à une intervention de l'État majeure. C'est à Paris. Le Grand Paris Express, 42 milliards d'euros pour développer le Grand Paris Express dans l'Union. Donc moi, ce que je dis, c'est que dans la métropole, il nous faut 7 milliards d'euros, je dirais, pour développer les transports dans Marseille, qui sont dans un état lamentable, c'est-à-dire au point de vue d'extension, c'est insuffisant, etc. Et aussi, pour développer le RER, et là, le projet n'existe pas. Il n'est pas dans les cartons, à part au niveau associatif. Donc, je dis, il y a ça. Et deuxièmement, tu as évoqué la question de la démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans la métropole, ni au niveau de la région, des conseils d'administration de la mobilité, c'est-à-dire un conseil d'administration fait des élus locaux, parce qu'on l'a vu avec l'intervention de Loïc Tachon qui était remarquable, ce sont les élus locaux qui savent ce qu'il faut faire pour leur commune, etc. Eh bien, il n'y a pas de conseil d'administration de la mobilité de la métropole fait des élus. Dans lequel, justement, on trouverait cette matière, etc. Donc il faut, d'une part, demander à l'État au niveau d'un GIP, c'est-à-dire d'un groupement d'intérêt public, ou d'un EPIC, d'intervenir, de mettre une somme, parce que la métropole dit que j'ai 100 millions d'euros par an. Donc vous voyez qu'avec 100 millions d'euros par an, vous ne ferez pas tout ça. Voilà, je m'arrête là, sans doute la discussion continue. Hein, pour dire, Bonjour, je m'appelle Anaïs Barthélémy, je représente une toute petite association qui est née l'an dernier, qui est le collectif contre le contournement du Nil. C'est un projet à 45 millions d'euros qui passe sous la voie ferrée avec un pont derrière le mémorial des Milles. 45 millions pour 3,5 km.
Ce que je dont voulais parler, nous allons rencontrer mi-juillet plusieurs organisations ensemble. Monsieur Cassette, qui est le sous-préfet d'Aix, pour lequel on a parlé effectivement de notre flux de cette route et de volonté d'avoir des transports collectifs alternatifs et donc de la voie ferrée. Et là, il nous a donné des devoirs de vacances. Donc on ne sait pas si c'est la méthode Macron où on enfume ou si c'est une ouverture. Donc il nous a parlé de cette voie en glissant pas jusqu'à Rognac, il a dit une fois, mais de cette voie qui partirait d'Aix pour aller jusqu'à la gare TGV. Donc il donne jusqu'au mois de décembre pour cela, et peut-être que collectivement peuvent être proposés, justement en terrain d'expérimentation, ce trajet Aix-Ville TGV. On ouvrirait cette voie, voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Donc il y a Jean-Luc Lebarque, mais avant, privilège du président qui voulait réagir. Mais c'est simplement pour dire par rapport aux chiffres qui ont été avancés, Marseille en grand, mais il y a aussi 100 000 décarbonés. Un projet qui est dit ville de Marseille, concours européen, et c'est, en fait c'est la métropole qui est concernée, et le chiffrage, il y a M. Perret, je crois qu'il s'appelle. L'élu qui est chargé des finances à Marseille a commencé à sortir la calculette, il sort des chiffres. Et donc c'est là où il faut regarder de près les affaires. Voilà, c'était simplement pour rajouter, il y a Marseille en grand, mais il y a le reste. Bonjour, Sylvie Ferrarin, je représente la métropole. Et j'ai dirigé, et je dirige toujours d'ailleurs, les opérations du plan mobilité. Je voulais juste apporter une petite précision concernant le schéma en nature ferroviaire. Il ne peut pas être en étude, parce que l'étude est en cours et vient de démarrer. Je voulais partager avec vous le constat qui avait été fait lors de l'élaboration du plan mobilité. Effectivement, un gros retard. Effectivement, les questions par rapport au RER et la décision qui a été prise lors de ce constat-là de lancer ce schéma en mature ferroviaire pour voir les possibilités que l'on aurait et étudier les possibilités que l'on aurait d'un RER métropolitain. Les premières avancées que nous avons, nous partageons effectivement le constat qui a été fait et surtout le benchmark. Donc, quand j'ai vu votre rapport, c'est très bien, mais sachez quand même que la métropole, en partenariat avec l'État, la région et le département, donc on travaille ensemble et on élabore ensemble ce document pour pouvoir décider et donner les éléments de décision à nos élus pour développer un futur RER métropolitain. C'est un sujet dont on a discuté avec vous, Monsieur Marcel, puisque avec Joël Couturier, nous avons reçu c'était un lien team, ça, mais on a partagé tout cela. Vous nous avez présenté les éléments de votre étude. On vous a dit que cette étude, on était en train de la mener au sein de la métropole. Donc, c'était juste pour rétablir un petit peu les choses. Je suis là, hein, j'écoute tout ce que vous avez à dire, c'est très bien, puisque ça va enrichir nos débats. Et sachez qu'il y a une phase de concertation, et on fera appel à vous à ce moment-là pour échanger sur les différents scénarios et les différentes possibilités qui vont s'offrir à nous. Voilà. Merci. Jean-Luc, peut-être Jean-Luc. Moi c'est Jean-Luc Debar, donc du collectif climat du pays d'Aix. Donc on a réuni plusieurs associations, des associations de Menel, la FNOT, l'association de Tramfray, etc. Donc là vous avez, on a essayé de bosser donc, pour soutenir le projet de l'association Tramfray. Vous avez un expo. Les gares qui pourraient être utilisées, qui sont utilisables de suite, puisqu'il y a la voie de chemin de fer. Et donc, on est intervenu auprès de la métropole, la région, etc. Donc, moi, je confirme ce qui a été dit dans les études avec un exemple. Donc, là, le but, c'est pour ramener une grande partie des gens qui sont à Venelle et dans le nord d'Aix. Pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage.
Et il faut savoir aussi que, en fait, on s'est mobilisé aussi parce que la métropole fait une étude pour faire un BHNS et faire cette voie. Donc ils vont goudronner un coup à droite, un coup à gauche et un coup au milieu, puisqu'il faut passer d'un côté de l'autre. Et donc ils vont bousiller cette voie de chemin de fer. Donc nous, c'est un projet climaticide, inutile, qui coûte cher, et c'est un scandale. Voilà. Donc il faut arrêter cette étude et faire autre chose. Merci. Michel Ronstein, président de la Fédération des CIQ du Pays d'Aix. J'avoue que j'ai été très impressionné par les exemples de benchmarking qui ont été donnés sur Strasbourg et Bordeaux, qui montrent que dans ces deux régions, la région est moteur en liaison avec les métropoles qui cofinancent les TER qui sont prévus. Et donc là, ces deux régions sont en avance par rapport à la nôtre. Alors j'ai bien entendu ce qu'a dit Mme Ferrara, c'est qu'il y a un travail en cours, mais je pense qu'il faut vraiment maintenant que ce travail, cette concertation se fasse de plus en plus importante et qu'on aboutisse dans les mêmes situations que ce qui se passe à Strasbourg et à Bordeaux. Et l'exemple, le premier exemple auquel je pense, c'est précisément qu'est-ce qu'on fait sur Aix-Rognac, est-ce qu'on fait un BHMS ou est-ce qu'on remet le train. Et j'ai entendu dire, je crois savoir qu'il y a des études pour mettre en place un BHMS avec, comme ce qui vient d'être rappelé, en contournant la deuxième voie. Et donc là, c'est une vraie question. Où est-ce qu'on en est? Et donc, je vais prendre une dernière. Oui. Je suis le maître du temps, mais pas que. Michel Villermoz, donc de l'association Mobilité Alpine. Moi, j'ai juste une question de ce que j'ai compris. C'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, nous avons des TER qui font Marseille-Aix, et que la ligne est en état, que le pôle d'échange d'Aix-les-Milles est en place. Et si je comprends bien, il manque un quai de 120 mètres de long et prolonger les TER qui vont jusqu'à Aix, jusqu'au plan des Liales, pour commencer de façon expérimentale à desservir Aix-les-Milles. Est-ce que je me trompe ou non? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, je vais prendre deux interventions encore, et puis ou trois, et courtes, et après on passera au témoignage. De toute façon, dans la journée, on aura le temps de débat. Oui, bonjour à tous. Bruno Guiraud, donc les vélos des étangs, association cycliste de Miramas jusqu'à Martigues, en passant par l'Est-sur-Mer, et Ramdam également, rassemblement des associations pour les déplacements du mode de vie sur Aix-Marseille. Alors j'interviens à ce titre, mais aussi pour faire un peu de gueule des citoyens à la réaction de la métropole. Moi, ça m'a mis en colère autant de madame, qui fait encore des études. Moi, ça fait depuis 2010 qu'on a des études, ras-le-bol des études, on attend des actions. Les études, vous les avez, il suffit de prendre l'historique. Vous avez un livre blanc qu'on vous a présenté tout à l'heure, vous avez des préfets qui ont parlé en 2010, en 2000, ça suffit, vos études. Là, on a fait des études, nous, les citoyens, depuis 2010, pour faire des voies cyclables, qui étaient la priorité de la métropole, entre Pélissane, Salon, Miramas, Istres, Fos-sur-Mer. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous refaites une étude pour les gestions de ces vélos, alors que nous, association, on a déjà travaillé pendant 10 ans dessus. Stop, arrêtez. Voilà, c'était mon coup de gueule parce que ras-le-bol. François Lecordian, je suis membre du comité de rédaction de la revue Transports Urbains. Je n'habite pas dans la région, mais j'ai été très intéressé par le thème du colloque et je suis donc déplacé. On vient de sortir un numéro. C'est sur le point sur les systèmes métropolitains français. Il y a tous les projets qui existent.
Bon, dans la plupart des cas, ils sont quand même, ça reste du projet. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de financement monstrueux sur ces systèmes-là. En définitive, il n'y a que l'Île-de-France qui arrive à financer un réseau métropolitain. Les autres, pour l'instant, c'est pas net du tout. Alors, il y a effectivement Strasbourg est un peu plus avancé que les autres. Et pendant ce temps-là, les Suisses avancent. C'est-à-dire que l'exemple le plus intéressant, c'est le Léman Express, qui, lui, fonctionne, a été très bien financé et fonctionne avec des fréquences qui sont remarquables. Donc, je me permets de vous indiquer cette revue qu'on peut acheter, qu'on peut télécharger, etc. Mais il y a un point à faire sur le sujet. Alors, je me permettrai peut-être d'intervenir plus tard. Il y a quand même un sujet qui est compliqué autour de Marseille. C'est précisément le sujet de la gare Saint-Charles, puisque très logiquement, il n'y a pas le ferroviaire de reste bouclé sur la gare. Les sillons disponibles sont manifestement pas assez nombreux pour développer un système. Et on peut se poser on imagine une échéance qui est très lointaine. C'est évidemment problématique par rapport aux besoins des usagers. Donc, deux réflexions. Ça vaut peut-être le coup de regarder un système de ferroviaire léger porté par les métropoles. C'est-à-dire que la métropole, elle a, dans la mesure où son territoire est très grand, elle a la compétence. Elle n'est pas du tout obligée de la déléguer à la région. Il y a des problèmes de financement, c'est clair. Mais imaginer un système indépendant et qu'on commence à monter tout de suite, ce n'est pas forcément invisible. Et il y a des infrastructures, il y a déjà des disponibilités très mal utilisées. Et puis, peut-être aussi pour renforcer le discours, Munich est une ville qui est évidemment un peu plus importante que la région marseillaise, mais ils ont développé un système de transport métropolitain à partir des Jeux Olympiques de 1972. En 1972, les premières lignes de métro et les premières lignes de S-Bahn, de RER, ont été livrées. Depuis, ils sont maintenant à une dizaine de lignes, et sur les 650 millions de déplacements annuels qui sont générés à Munich, il y en a 400 en métro et il y en a 300 en RER. Donc, quand on monte un système efficace, avec des vitesses commerciales correctes, Munich, c'est 50 km/h de vitesse commerciale sur l'ensemble du réseau. On a des résultats. Donc ça, c'est des points qu'il est important d'avoir en tête pour se lancer dans les thématiques qui sont les vôtres. Merci. Je vous remercie. On va passer maintenant. Non, j'ai Oui, donc vous êtes assis. Je suis élu dans une commune, mais aussi je suis au bureau des affaires de PACA. Je suis aussi président d'une association. Je suis aussi au bureau du S3PI. Secrétariat permanent des préventions des pollutions industrielles. Moi, ce que je voulais faire, deux, trois remarques. Actuellement, on est en train de discuter sur le SCOT, le futur SCOT qui devrait être mis en place en 2024, je crois. Et au niveau du RIN, ce n'est pas une priorité. À l'heure actuelle, le RIN n'est pas une priorité. C'est tel que je l'entends aujourd'hui à travers le peu de réunions que j'ai suivies. Deuxièmement, il y a un élément aussi qui est important pour moi, c'est la santé. Aujourd'hui, on parle de transport. Mais pourquoi on veut aussi des transports, on va dire, qui ne polluent pas? Parce qu'aujourd'hui, on a un gros problème de santé dans la zone, surtout dans la zone autour des temps de mer. Le train, c'est aussi une des solutions pour l'amélioration de la santé. Les pollutions aujourd'hui industrielles, je ne sais pas si elles au sud, ont tendance à baisser dans la zone. Par contre, les pollutions amenées par le transport et mobilité, aujourd'hui, sont plutôt en augmentation. Donc, dans tous les cas, il faut travailler en urgence là-dessus. Et puis, on parle aussi d'infrastructures, mais on a aussi besoin, quand il y a des infrastructures, d'avoir aussi un bon niveau de service. Il est bien beau d'avoir les chemins de fer, le train, le rail, mais s'il n'y a pas des vraies dessertes avec des vraies fréquences, c'est souvent un problème à ce niveau-là. Donc, il faut aussi travailler sur le service. C'est autant important que les infrastructures. Merci. Donc, on va pouvoir passer à la partie des témoignages. Alors, il y a 6 personnes qui ont été pressenties. On va séparer un peu en deux. D'abord, on va appeler ici là, les acteurs qui sont très directement concernés par le cas d'étude qu'on a expliqué, donc la réouverture de la ligne Extroniac. Et donc, voilà. Donc,